Nathalie Hartog-Gauthier nous entraîne dans un monde de cartes, de la France à l'Australie, où elle vit désormais. Son travail est constitué de photos et d'agrandissements d'autochromes rehaussés de gouache. Il a pour source d'inspiration la botanique et les grandes explorations de Bougainville ou de La Pérouse. Un projet sur la mémoire, le voyage et les rêves utopiques. La mémoire se forme par les lieux qu'on habite, on laisse son empreinte et puis en même temps elle nous façonne. Donc l'environnement m'intéressait énormément puisque pour moi d'arriver en Australie, c'était un environnement complètement différent et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup marqué et surtout la botanique. Quand je suis arrivée, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée. Au milieu de l'exposition trône une sorte de cabinet de curiosité. L'installation conçue avec la collaboration du musée Vert du Mans fait référence là encore au grand voyage naturaliste. Quand on regarde la liste des objets qui sont amenés, c'est vraiment tout à fait inhabituel. Donc peut-être les gens seront un peu surpris de trouver des boutons, trouver des plumes, des fleurs artificielles, des aiguilles, des graines, des miroirs, des hameçons, des choses comme ça. Mais c'était des rubans. Mais ça, ça fait partie de la liste des objets qui étaient emmenés à bord pour faire des échanges. Les lieux de mémoire de Nathalie Hartog-Gauthier se visitent jusqu'à fin novembre. Rendez-vous hall de l'Hôtel de Ville.